donc une première question. Donc en 2009, la loi Liberté et Responsabilité des Universités, hein, dite LRU, a été votée. Elle avait pour objectif de transférer aux universités la gestion budgétaire et financière de leurs établissements, jusque assurée par l'État, de réformer leur gouvernance, afin finalement d'améliorer leur performance. Or, à l'heure où certaines universités peinent à avoir des budgets à l'équilibre en fin d'année, pensez-vous vraiment que les universités ont besoin de plus d'autonomie et non pas finalement de plus de budget? L'un n'empêche pas l'autre. Et je vous ai dit ce que j'en pensais, nous sommes dans un système d'éducation nationale au sens large du terme, depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, hyper centralisé. Il faut qu'on reconnaisse le droit à l'expérimentation, le droit à la différence, le droit à l'initiative dans nos établissements, et ce sera sans doute un processus un petit peu lent, puisque je propose de le faire sur la base du volontariat des établissements, mais c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et donc j'en reviens à l'université, l'autonomie, qui est une règle générale. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce qu'elle n'a pas donné tout ce qu'elle pourrait donner, même si elle nous a permis déjà une transformation en profondeur, une modernisation, une amélioration de l'image de nos universités, de leur fonctionnement? Parce que d'abord, l'État garde une tutelle trop forte sur ce qui est l'essentiel de la dépense universitaire, c'est-à-dire la dépense de personnel, notamment dans les recrutements. Très souvent, les universités sont paralysées par des règles qui ne leur permettent pas de recruter les meilleurs qu'elles devraient le faire en s'adressant à des collaborations internationales. Et puis parce qu'ensuite, les dotations budgétaires de l'État, qui sont très majoritaires, n'évoluent pas au rythme que nécessiterait à la fois la croissance des effectifs d'élèves, enfin d'étudiants, je l'ai dit, et puis de la masse salariale que par ailleurs l'État décide lui-même. Hein. Il n'est pas à court de contradictions, on le voit aussi dans les collectivités territoriales. Donc ça n'est pas en freinant le mouvement, mais en l'accélérant et en ajustant évidemment les dotations budgétaires, en diversifiant les sources de financement de l'université pour qu'elles ne soient pas totalement dépendantes du financement de l'État, qu'on pourra aller un coup plus loin dans l'autonomie, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure à la tribune. Et donc on va revenir à ce que vous proposez. Vous prenez donc une sélection au niveau de l'entrée en master, et ça dans le respect du processus de Bologne au niveau européen, qui veut donc 3 ans de licence, 2 ans de master, et ensuite le reste en tant que doctorat. Mais ces étudiants qui ne parviendront pas à rentrer en master, que deviendront-ils? N'avez-vous pas peur de créer de la précarité étudiante, justement, en créant des étudiants qui n'ont pas de diplôme pour aller travailler après? Eh bien, c'est de les orienter vers d'autres formations, d'autres filières professionnalisantes. Il y a des filières d'alternance, on peut devenir ingénieur d'alternance aussi. Certains d'entre eux sont déjà dotés d'un diplôme qui leur permet d'avoir une insertion professionnelle. Puis il faut peut-être qu'on s'habitue en France à quelque chose qui est assez fréquent et assez développé dans les universités anglo-saxonnes, qui est l'année de césure ou les années de césure. On s'arrête pendant un an ou deux ans dans ses études, on a une expérience professionnelle et puis ensuite on revient dans un processus d'études parce qu'on a acquis un savoir-faire, on a acquis, je parlais notamment de la validation des acquis de l'expérience qui pourrait être un atout pour accéder ensuite au master. Voilà, mais la température monte ici. Je vois que vous avez tous, non? Moi j'ai mis une cravate parce que ce matin j'ai commencé la journée par une manifestation un peu solennelle et émouvante. Voilà, c'est pour ça que je suis en uniforme. Mais si vous m'y autorisez, je peux tomber la veste. Bah, allez-y. Vous êtes chez vous, bonne salle. Un geste très audacieux. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les grandes écoles, et donc, vous qui avez fait l'ENA, que pensez-vous de la proposition de Bruno Le Maire de réformer l'ENA, qui serait finalement transformée en une sorte d'école d'application ouverte après 10 ans de carrière? On sait très bien que le problème de l'ENA, c'est plus l'amont, c'est plus le recrutement, c'est plus le fait que Sciences Po Paris a un quasi-monopole de l'entrée à l'ENA. C'est plutôt dans la diversification des origines, dans l'amélioration de la pédagogie, d'une école qui est une école d'application, qu'on doit trouver des solutions plutôt que dans une disparition, une suppression. Moi, j'ai fait un scandale quand j'étais à l'ENA, parce que dans ma promotion, les élèves de la promotion avaient décidé de signer une pétition au terme de laquelle ils s'engageaient, même s'ils le pouvaient,
à ne pas choisir les grands corps à la sortie du classement. Et j'avais trouvé ça, là encore, extraordinairement hypocrite, parce que ceux qui avaient signé étaient déjà à peu près sûrs de ne pas pouvoir choisir les grands corps. Ils connaissaient leur classement. Il n'y en a qu'un ou deux qui ont eu le courage de se mettre en porte-à-faux. Et moi, j'ai dit, avec la franchise qui me caractérise, si je suis venu de l'école normale à l'ENA, c'est pour faire un grand corps. Et aussi, une autre réforme proposée par le même concurrent, qui est d'obliger les fonctionnaires à démissionner de la fonction publique quand ils sont élus députés ou hommes politiques. Je trouve cette idée extrêmement sympathique. J'ai simplement la conviction que ça ne changera absolument rien au recrutement de la classe politique. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est l'inverse. C'est créer un filet de sécurité pour les gens du privé qui se mettent à faire de la politique. Hein? Et ça, ça commence à venir. À ma grande surprise, il y a maintenant des entreprises qui disent à leurs cadres ou à leurs employés, vous voulez faire de la politique, ok. Si vous vous plantez, on vous récupérera à la sortie. Michelin fait ça maintenant, Saint-Gobain fait ça aussi. Et ça, ça va permettre de libérer effectivement un certain nombre de gens qui étaient dans l'entreprise, qui avaient envie de faire de la politique, qui ne pouvaient pas prendre le risque de se planter, parce que la politique c'est dangereux, hein, on peut échouer, c'est arrivé. Et donc les rassurer pour qu'ils viennent vivifier le monde politique. Alors là, j'ai répondu à une question que vous avez posée.